Dans le cadre de notre cours, nous avons décidé de faire une vidéo portant sur les 8 éléments de la RSE moderne. Notre équipe a choisi comme entreprise Voyage en Drake Anjou. Puisque j'y travaille, il nous a été facile d'aller chercher l'information nécessaire. 4 éléments parmi les 8 vous seront résumés et ensuite appuyés par certains exemples tirés des pratiques de l'entreprise. Voyage en Drake Anjou œuvre dans le domaine du voyage depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Fondée en juillet 1994 par Marie Bouchard, l'agence offre à sa clientèle un service d'agent professionnel spécialisé. On y retrouve une gamme complète de produits voyage, passant de forfaits montés sur mesure au groupe accompagné, et ce, avec une sécurité d'achat unique. Réputée pour son excellent service et son expertise dans le milieu, l'entreprise permet à ses consommateurs de bénéficier d'un service personnalisé. Fidèle à son nom, l'agence est toujours située au 73-75 Beaubien Est à Anjou. La gestion efficiente d'une entreprise, premier aspect de la responsabilité sociale d'une entreprise, est basée non seulement sur sa profitabilité ou sa capacité de maximiser ses profits, mais aussi sur sa pérennité, c'est-à-dire son aptitude à se maintenir et à se prémunir contre les effets néfastes que pourraient avoir les instabilités de l'économie sur son environnement. Aussi, l'efficience de la gestion est basée sur la compétence d'amélioration d'une entreprise sur sa productivité en utilisant les meilleures méthodes de gestion pour utiliser de façon équitable et justifiée les ressources qui lui sont disponibles. Chez Voyage en Drake Anjou, toute personne peut bénéficier des services par téléphone ou même depuis le web. Peu importe l'intermédiaire utilisé par les consommateurs pour leurs achats, ils seront pris en charge et soutenus du début à la fin de leur voyage. L'agence possède également un compte Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Récemment, elle s'est ajoutée un compte ami nommé VED Anjou, sur lequel elle peut interagir avec ses clients. Des quiz, des prix de dernière minute, des sondages ainsi que des nouvelles concernant le monde du voyage y sont régulièrement publiés. De plus, l'entreprise participe depuis quelques années au Salon international du voyage à la place Bonaventure. Cela lui permet de rencontrer de nouveaux clients potentiels qui recherchent l'expertise de ses agents fiables et compétents. Par contre, Marie Bouchard ne mise pas seulement sur la publicité, elle met beaucoup d'emphase sur une bonne structure de l'organisation. La comptabilité doit se faire de façon rigoureuse et ce chaque jour. Entre autres, les conciliations bancaires ainsi qu'une analyse des ventes sont effectuées régulièrement. La propriétaire veille à ce que Voyage en Drake Anjou possède une santé financière optimale et des employés qualifiés pour la maintenir. Avec cette bonne gestion, elle peut continuer à livrer un service de qualité à ses clients. La sollicitude est la troisième composante de la responsabilité sociale. Elle revendique que chaque employé soit traité de manière éthique et non pas comme un objet qui assouvirait l'objectif final de l'entreprise. Alors, une entreprise qui a bien intégré le concept de la sollicitude est une entreprise qui, par exemple, va protéger ses employés vis-à-vis de leur emploi, des différents dangers qui puissent arriver. C'est une entreprise qui va également s'assurer qu'il y ait une bonne atmosphère de travail dans leur emploi. Alors sur ce, je vous laisse Cynthia qui va vous expliquer en détail comment est-ce que l'entreprise que nous étudions intègre ce concept. Chez Voyage en Drake Anjou, les employés ont à leur disposition une salle commune spacieuse qu'ils peuvent utiliser en tout temps, que ce soit pour leur dîner ou rencontrer leur grand groupe de voyageurs. Ils peuvent utiliser un frigidaire, un micro-ondes, une machine à café, un grille-pain et bien d'autres commodités pendant l'heure du lunch. Une salle d'employés est disponible pour relaxer, manger ou même lire. Dans celle-ci, une liste des dates de fête de chacun et chacune y est affichée. Lors de chaque anniversaire, un gâteau est offert aux fêtés pour souligner l'événement. La propriétaire met également tout à la disposition de ses agents pour travailler dans le confort. Par exemple, dernièrement, Mme Bouchard a acheté des casques d'écoute supplémentaires pour améliorer le confort de certains de ses membres de l'équipe. Chaufferettes, chaises confortables et postes de travail sécuritaires sont fournis aux agents. Très compréhensive et disponible pour ses employés, la propriétaire veille à ce que le climat de l'agence soit toujours agréable. La limitation des nuisances, donc c'est la quatrième élément de la RSE moderne. Et ça fait référence à une entreprise qui essaie de limiter les dommages causés à l'environnement et à la société en général. Les effets sur l'environnement naturel ainsi que sur la santé publique sont deux exemples d'éléments qui peuvent être pris en compte lors de l'évaluation d'une entreprise dans cette catégorie. Je vous laisse maintenant avec Cynthia qui va vous expliquer comment Voyage en Drake Anjou intègre cet élément. Dans l'entreprise, il fait partie des tâches des employés de débrocher le papier afin d'utiliser le verso de celui-ci.
On donne alors une deuxième vie au papier lorsqu'il est impossible d'en éviter son utilisation. Par la suite, ces feuilles sont utilisées à l'interne pour des recherches ou l'impression de preuves comptables. Il y a également plusieurs brochures provenant de différents grossistes mis à la disposition des clients. Malgré que certains préfèrent les versions tangibles, nous invitons ceux-ci à venir consulter notre site Internet dans l'onglet « Brochures » où ils peuvent consulter tous les mêmes catalogues de voyages en ligne. La philanthropie, deuxième aspect de la responsabilité sociale, est une tradition qui date depuis le 19e siècle. En effet, les entreprises essaient d'être responsables socialement en participant à des œuvres de charité, en faisant des dons et en participant aussi à toutes sortes d'activités visant à tisser des relations de solidarité avec son environnement. Donc, globalement, l'entreprise tente d'intégrer et de refléter toutes les valeurs morales de la responsabilité sociale et aussi de se démarquer positivement dans son environnement. Cette année, Voyage André Canjou a fait un don à la Société du cancer du sein. Les employés ont souligné cette journée rose pour la cause en s'habillant avec une touche de rose. L'entreprise a également publié l'événement sur les réseaux sociaux afin d'encourager les gens à contribuer au mouvement. Pour plus d'informations concernant l'agence, nous vous invitons à consulter leur site Internet au www.voyageandrecanjou.com.